Salutations les lémures, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Miss Survival. Ça faisait un petit moment, il y a eu une petite update ces jours-ci, le 8 si je ne m'abuse. Donc on se retrouve pour tenter de survivre pour commencer et nous allons tester cette Early Access Alpha version 0.3.3. Alors vous pouvez voir que je peux même pas continuer ma partie d'avant, tout a été effacer, remanier tout ce que vous voulez. Alors ça vient pas de ma part, hein, c'est la part du jeu. Alors j'ai essayé de voir s'il y avait la version précédente qui était toujours disponible, pas du tout. Donc voilà, sachant que sur la page de Steam on ne trouve plus le nom du développeur, mais le nom de son studio. Je mettrai de toute façon le lien. La page Facebook dans la description, sachant que le jeu est passé à 8,99€, hein, y a pas de promotion actuellement. Donc on va se lancer pour une nouvelle partie et essayer de découvrir un petit peu tout ce qui était mis en place, et on va aussi en parler puisque j'ai vu quelques petites choses. Ok, alors ça va être bien pratique, j'ai mon chat qui vient de s'installer sur le bureau de mon ordi. Donc il y aura à savoir avant de commencer que le jeu s'inspire d'un des romans de Stephen King, hein, qui s'appelle Myst. Donc voilà un petit résumé mis en bouche en arrivant. Une espèce d'épidémie s'est répandue, une espèce de brouillard là, et donc on va essayer de survivre. Donc là on nous parle de la fatigue et compagnie, hein. Fatigue, stamina, donc là c'est le shelter, donc faut essayer de le claim en y mettant notre petit drapeau. Il y a le mist qui apparaît, les espèces de zombies ou de personnes possédées qui font leur apparition. Alors ce qui est pas mal, ce qui est dommage c'est que j'avais un glitch pour avoir les flèches à l'infini et tout, je sais pas si ce sera encore possible. Là je suis un peu déçu. J'aurais bien voulu continuer, j'ai perdu ma poule et compagnie, je suis un peu tristou. Donc voilà, on peut voir un petit peu tout ça là. Hein. Alors, il y a toujours le minage et la composition du minerai quand on aura la forge. Donc bah écoutez, hein, c'est reparti pour une saison 2. Donc ça, on peut fermer. Alors, voilà, j'ai mon shelter. Donc là, j'ai la main droite, non, la main gauche, et là, la main droite. Je pense que c'est ça. Hein. Là, j'ai le shelter, donc c'est déjà le mien. Alors, je pourrais le casser hein, pour récupérer des composants là, mais malheureusement, j'ai pas de quoi faire. Après, je peux peut-être fouiller le coffre de la voiture. Ouais, il y a une hache. Alors, le seul truc, c'est que si je viens à mourir, vu que c'est mon shelter, je pourrais pas réapparaître. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la voiture? Non. Ok. Alors, on va falloir essayer de trouver rapidement des backpacks pour agrandir nos emplacements. Ça, je vais le prendre, ça se mange. Je vais aussi m'équiper la hache. A priori, je peux pas la mettre là. Alors là, je peux. Là, ça se trouve, ce sera pour le bouclier et peut-être mettre l'arc aussi. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'un, deux, trois, quatre. Il nous a mis 5, 6 ici. J'aurais peut-être mis 1, 2 ici et 3, 4, 5, 6 là. Mais on va faire avec. Hein. Alors, je vais me percher en haut si je peux. Non, je peux même pas monter en haut. Je peux même pas monter sur le shelter. Donc bon, il est plutôt sympa avec les petites feuilles de fougère là. Je vais désactiver l'autosave.
Par contre, je vais me faire une petite sauvegarde là. On peut aussi se suicider, bien sûr, hein, mais nous on va éviter. Alors, ah bah là il y a un backpack. Ok, donc là maintenant j'ai récupéré deux slots supplémentaires. Alors là, qu'est-ce qu'on pourrait alors, je vais me percher sur la voiture. Là, on va voir. Non, il y a juste de l'essence à récupérer. Il n'y a pas de pièce moteur. Donc là, bah, il y a tous les crafts hein, qu'on connaissait déjà. La corde faite avec de l'écorce de bouleau et des feuilles et compagnie. Là, on a de quoi saler la viande pour nous faire des espèces de saucisses. Donc là, maintenant, il y a la torche. Le soil sack. Use for packing soil. Je sais pas du tout. Pas du tout ce que c'est. J'essaie de trouver la traduction. Là, on peut toujours se faire les bandages avec l'alcool et les tissus. Les flèches de base. On peut se faire des lances maintenant. Ok. Là, a priori, on peut se faire une espèce de. Ouais, un bouclier en bois. Qu'on va sûrement venir mettre dans la main là. Puis là, c'est tout ce qui est pour faire de la poudre à canon. Là, en allant à la mine récupérer du sulfure, du salpêtre et tout. Ok. Donc là, on a vu et tout. Ça, c'est bon. Alors maintenant, dans les constructions, toujours le feu de base. Le petit campfire avec les petites pierres, les torches, ouais, les barils. Là, il y a le séchoir pour faire sécher le boyau et nos saucisses. Là, il y a le cooking pot. Là, il y a le grill. Le récupérateur d'eau. Le filtre, enfin le purificateur d'eau. Le générateur et la poubelle. Là, il y a l'appareil à tannage. Le workbench, la forge, la distillerie pour faire de l'alcool. Ok. La scierie. Le repair bench, donc pour réparer nos items. Là, il y a la fournaise pour faire fondre les fourneaux, et là c'est pour le reloading bench, c'est pour réparer les items. Alors maintenant, a priori, on peut, de ce que j'ai vu dans le trailer et tout, se faire des petites maisons, cabanes de chasseurs. Ok, trois types différents. Donc c'est peut-être celle qu'on voyait avant dans le jeu. Alors moi, je pense que je vais essayer de retourner dans ma grosse maison là. Là, je m'étais bien galéré à faire le portail en plus autour. Et donc là, on a le poulailler, les murs et le grillage. Alors après, là, on a toujours les loupiottes. Le mobilier, lit de place, qui est pas plus grand qu'un lit de place d'ailleurs. Là, les rangements. Les tables, les chaises, pour se reposer et compagnie. Là, il y a notre ami la cible. Donc là maintenant ouais, il y a le jardinage. J'aimerais bien voir la culture. Ah bah ouais ok, soil pack, ça se trouve c'est de l'engrais. Fabric pot. Ok, ah ouais, ou c'est des sacs de sable ou je sais pas quoi. Ok. Là il faut 30 kilos, là 5 kilos. Là il faut 50 kilos. Bon, on va s'éclater, moi j'ai hâte d'essayer. Hein. Et je pense que là, c'est soit du compost ou le truc de base pour planter dedans. De toute façon, on va essayer de tout tester. Hein. Donc, on va partir de là. Je vais quand même fouiller. Ouais, elle est en 1. Tu me donnerais ma hache. Ah, ça se trouve, faut que je rebine les. Faut que je rebinde les touches, alors je reviens. Ok, donc là normalement, voilà, j'ai rebindé les touches, hein, parce que normalement il aurait fallu passer le clavier en QWERTY
Donc là, au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4, j'ai apostrophe et compagnie. Donc maintenant que c'est fait, je vais ramasser quand même quelques pierres parce que je vais en avoir besoin si je veux me faire un feu. Je vais ramasser un peu tout ce que je trouve. On peut voir que quand je me mets à courir, j'ai ma barre de stamina qui apparaît. Ok, des petites branches. Ça a pas l'air d'être la même là. Ah, c'est nouveau ça, Heartstick. Ok, ça a été rajouté aussi. Ah, d'ailleurs, il y a une nouvelle espèce d'animal qu'on peut trouver maintenant dans le jeu, c'est les cerfs. Donc j'espère qu'on aura la chance d'en croiser un et pourquoi pas le chasser. Hein, parce qu'il va bien falloir se nourrir à un moment ou un autre. On va fouiller ce camp. Donc là il y a du scrap métal. Ça je vais le prendre. Ok, on peut toujours casser les items. Ça se casse pas. Alors par contre moi je peux casser la. Ça je peux le casser mais je vais éviter pour le moment. Car là il y a du tissu. Là il y a à manger. Pire je viendrai tout casser plus tard. Alors, là je peux pas utiliser le feu. Alors, on va voir s'il y a toujours des trucs qui sont perchés sur les toits. Ah yes, nickel. Ah par contre je peux pas le prendre. Alors je vais me mettre de la nourriture ici. Hein. On va faire ça à l'ancienne. Ça je vais le prendre. Je vais le mettre là tout de suite. Voilà, comme ça là on a de quoi ce stuff. Alors j'ai pas forcément faim pour le moment donc je vais éviter de manger. Donc ouais, n'hésitez pas si vous y jouez à venir farfouiller au-dessus. Hein. Il y a toujours un petit butin qui est dissimulé. Là, je vais aller regarder par-dessus l'autre même. Alors, par contre, sur celle-là, il n'y a rien. Et sur le toit, là, non plus. Donc c'est cool, on a trouvé un pompe direct. Ah, la petite plume, je peux pas la prendre. Ah, je vais manger ça. Ah, est-ce que j'aurais pu mettre le pompe? Non, je peux pas mettre le pompe dans l'autre main. Ah, ça vraiment. Ce serait sûrement vraiment peut-être que pour le bouclier ou autre chose. Ok, alors, de la corde, j'en avais déjà pris, donc c'est cool. Il n'y aurait pas un autre petit sac là dans le coin? Je vais bien faire le tour pour voir, mais. De toute façon, on n'a pas fini d'aller voir par là-bas. Là, il n'y a rien. Là, faut que je fasse gaffe de ne pas tomber sur un ours parce que dans la journée, ça va. Il n'y a pas les. Ah ouais, là, il y a encore à manger. Ça, je peux pas le prendre non plus. Ouais. Ok. Est-ce que je peux pas. Ah ouais, je peux. Voilà, j'aurais bien mis la bouteille d'en bas, mais je peux pas. Au pire, je reviendrai là. Hein. Je sais que j'ai. Là, il y en a une autre là aussi. J'en ai une là. Là, j'ai le scrap. Enfin, les boîtes. La boîte à outils plutôt. Là, j'en ai une autre. Ça a bien changé. Alors là-bas, il y a un chariot. Alors, ça, je vais prendre. Ouais, donc là, pas de sac, malheureusement. Ouais. Alors, je sais pas du tout en plus où j'ai pop. Alors là-bas, il y a un chariot. Là-bas, je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est toujours aussi joli. Je me demande si ça n'a pas été un peu boussé aussi.
J'ai du mal à reconnaître. Ah, peut-être la route là. C'était peut-être la route qui menait au village. Ça voudrait dire que moi, faut que la maison, elle serait plus par là-bas. Donc, je vais quand même continuer de farfouiller dans le coin. En espérant trouver quelque chose là. Alors, j'espère que je vais pas tomber directement sur des bandits, mais. Parce qu'il y a aussi des bandits, hein. Ok, on va aller voir ça. Alors, ça, est-ce qu'on peut le. Non, ça, on peut pas le fracasse. La barrière, est-ce que je peux la fracasse? Non plus. Alors, on va aller voir par là-bas. Alors, déjà, il y a des purificateurs. Alors, est-ce que ça, on peut toujours les embarquer? Parce qu'avant, on pouvait les déplacer. Ah, je peux le déplacer. Alors, je peux le reposer. Voilà. L'objectif premier, c'est de se trouver une baraque. Quoique pour le moment, je pourrais peut-être m'installer ici. Je sais pas s'il y a. Non, ils sont vides. Alors, s'il y a un point d'eau pas loin, ça pourrait être pas mal. Pour commencer. Alors, déjà, est-ce qu'il y a du monde dedans? Alors là, je pourrais réparer par exemple les défenses. Si j'avais des clous. A priori, il est assez inoccupé. Ah, ok, là il y a un couteau. Alors, est-ce que le couteau je peux le mettre là? Non. Ah, là j'ai de quoi manger et tout. Ok, alors là c'est pas verrouillé. On va allumer. Là ça fait une petite pièce sécurisée. Ouais, je tiens pas forcément à déposer non plus. Alors là, il y a un. Bon. Moi, je tiens pas à déposer mes affaires ici. Ne sachant pas où je suis exactement et ce qu'il y a dans les alentours, je préfère attendre de voir. Alors là, on est où? Ok, là, il y a la route. Je vais m'avancer pour voir par là. On va les yoter. Je vais éviter de me casser une jambe là en tombant de trop haut. Alors par contre, ouais, je vais peut-être galérer après pour remonter, mais. Alors, le statut. Non, c'est bon. On s'est fait une petite frayeur, mais. Mais ça va, ouais. Ah, il a rajouté des petits panneaux là. Attention aux cerfs. Je sais pas si là-bas c'était le. Non, je crois pas que c'était la route du. Qui menait à l'hôtel. Je sais pas si c'est la route qui mène à l'hôtel. Peut-être qu'il y a l'hôtel un peu plus haut sur la droite. Alors là, il y a des gants. Alors je vais faire ça comme ça. Je vais prendre les gants. Je vais sortir. Et je vais mettre une paire de gants. Il n'y avait pas avant. Alors là, il y a des médocs. Ah, il y a le mist qui commence à débarquer là. Est-ce que je peux m'enfermer là-dedans? Non, il n'y a pas de porte. Ça commence mal. Toi, tu veux pas monter sur la voiture, s'il te plaît? Voilà. D'ailleurs, je crois qu'il y a un petit problème avec le toit. Alors là, je vais me faire attaquer. Tu veux pas te percher là-haut, s'il te plaît? Oh, je vais me faire tuer. Vas-y, monte sur le toit.
Ah, je vais me percher le plus haut possible, mais là, là je suis dans le caca. Ah, je sais pas s'ils vont réussir à me taper d'ici, mais... Voilà, il n'y a rien dans le coffre. Non, remonte en haut, s'il te plaît. Voilà. Moi, je vais me prendre des coups dans les jambes. Pour le moment, ça a l'air d'être tranquille, mais là... Je crois que ça s'annonce mal, là. Enfin, j'aurais pu essayer de me cacher à l'intérieur, mais s'il rentre après, je vais dans... Dans la mouise la plus totale. Je sais pas si j'aurais pu me percher sur le camion là-bas. Si je prends le risque d'y courir et que j'arrive pas à monter. Au pire, je vais faire une petite. Ouais, non, il vaut mieux pas que je sauvegarde là. Je vais essayer de. Il n'y a plus la petite musique qu'il y avait avant quand il y avait le brouillard. Ah, bah quand on en parle là, voilà. Ah, il y en a un là. Il est en train de traverser la route. Ah bah je suis repéré. Ça va. Alors, je sais pas s'ils vont me looter des items. Normalement, ils lootaient des petits trucs avant là, mais ah, y en a encore un en face. Là, je pourrais pas dormir. Ok, c'est bon. Ce serait bien que ça passe assez rapidement là. Ouais, vas-y, viens, toi. Alors, tu viens de quel côté? Ok, il vient du même. Ah, faut bien viser vers le bas pour les taper là. Ah, est-ce que moi je saigne? Non, toujours pas. Ok. Ah, faut bien les viser quoi. Allez, dépêche-toi de passer le mist là. Ah, il y a un bon gros tas. Bah, ils sont toujours aussi cracra. Donc, si on n'est pas contaminé comme eux, c'est que on est comme immunisé par le virus entre guillemets qui s'est répandu. Hein. Il y a quelques survivants dont nous. Hein, d'ailleurs, il y en a qu'on va devoir aller libérer ultérieurement. Hein. Quand la musique s'arrêtera, le mist va passer. Alors, ils craignent le soleil. Alors, moi, est-ce que j'ai faim? Alors, déjà, j'ai pas beaucoup de vie. Mais je suis pas encore blessé ou quoi. Ah, j'ai juste des gants. Ouais, je suis à limite à poil, quoi. Je
bien visé. Hein. Voilà, ça c'est fait. Et ils m'ont pas touché. Ah, ça en fait un sacré gros tas. Là, je me suis fait ma petite miniature pour la vidéo. Alors si je fais revive, ça va me faire perdre des items, donc on va faire quitter, reprendre là où on était avant. Ok, donc là on est reperché au point de départ. Ah, j'ai toujours ma petite hache. On va retourner loot un petit peu là, et puis au pire des cas, ouais, je vais aller me poser dans la maison. Alors j'ai bien pris, ouais, j'ai bien pris le le sac qui est par terre. Alors forcément, j'ai plus mon pompe. Hein? Alors j'espère qu'il est encore en haut parce que. Yes. Alors je le prends tout de suite. Hein? Je vais l'équiper. Ah, d'ailleurs, on voit là mes touches qui ont changé. Pas assez, plus 1, 2, 3. Je vais sauvegarder tout de suite. Et puis je vais. Re-ramasser un petit peu tout ce qui traînait là. Alors je vais essayer de prendre déjà la nourriture comparée à tout à l'heure. Voilà, comme ça me laissera le temps de voir venir. Alors, par contre, ce qui est chiant, c'est que ça s'empile pas. Voilà, je vais me prendre une boîte de jus de tomate aussi là. Je vais me manger la baie. Alors ça fait passer le temps, là on a le temps, la température, on approche toujours de l'hiver, hein. Comme ce fut le cas quand le jeu est sorti, hein. Donc moi je l'avais eu à 7 € et quelques, ouais c'était ça. Donc il est pas beaucoup plus cher là, hein, toujours 8,99, donc par contre il n'y a toujours pas de multi, hein. Donc il y en a plein qui aimeraient que ça arrive, mais pour le moment ouais. C'est un jeu solo, on peut juste donner des ordres aux NPC. Mais c'est tout. Alors déjà, faudra les libérer et les trouver, bien sûr. Alors, je vous dis pas comment. Vu que le mist va pas tarder. Si c'est pas déjà le cas là, parce qu'on voit la brume qui commence à tomber. Je crois que j'ai fait le tour. Et je suis plein. Donc je vais aller m'enfermer dans la maison qu'il y avait là-bas. Là. On va pas perdre plus de temps. Me semble-t-il. Ouais, elle est par là. Et au pire des cas, ouais, je vais en faire mon shelter pour le moment. Et puis on essaiera d'aller visiter un peu plus loin par là-bas. Alors je vais essayer de pioncer dans la maison si je peux, qui est là d'ailleurs. Je vais aller casser l'autre shelter pour récupérer de la corde et des matériaux. Donc je vais en faire ma maison. Alors faut que je fasse F1. Non, c'est pas. Non, c'est floor 1. Comment? Ouais, voilà, hop. Bah, maintenant c'est ma base, donc là c'est ouvert. Non, si je m'enferme dehors, ça va pas le faire. Là, je vais déposer mes petites affaires ici. Ma bouteille d'eau. C'est vrai qu'on peut pas cliquer sur les items pour les transférer directement. Ça, je vais le garder sur moi. D'ailleurs, faudrait que je vois si j'ai pas besoin de recharger.
Alors je vais mettre la bouffe en bas, je vais mettre le tissu avec les boîtes à couture. La bouteille d'eau. Ah, je crois qu'il y a, ouais, on a des espaces en moins, quoi, au final. Parce qu'avant, tout était compacté, là. Et maintenant, on peut avoir que 4 items sur soi. Et là, ça va pas servir à grand-chose, quoi. Là, si, pour le moment, j'en ai pas besoin. Je vais prendre le couteau. Je vais mettre la nourriture ici. Je vais en garder deux sur moi. L'huile, j'en ai pas besoin pour le moment. Ça hydrate. Donc la bouteille d'eau, je vais me la laisser stocker là. Je vais mettre les planches. Quoique les cordes, je peux les poser par terre. Je vais mettre ça ici. Voilà. Je vais faire 3. Et je vais recharger. Et je vais aller m'enfermer à côté. Comme ça, s'il défonce les fenêtres là, déjà s'ils me voient, ils vont taper sur les fenêtres. J'ai pas forcément envie de les réparer, puis j'ai pas de clous, donc ça va pas m'aider. Donc on va attendre patiemment ici. Je vais refaire une petite sauvegarde. Alors je vous déconseille fortement d'activer la sauvegarde automatique parce que des fois ça peut sauvegarder à des endroits où vous en aviez peut-être pas forcément envie, surtout si vous êtes dans le pétrin, donc désactivez-la et pensez à sauvegarder régulièrement quand vous le souhaitez. Donc là on va attendre. Ouais, il arrive. Alors là, il y a une fenêtre, donc je suis tranquille, mais... Ah, il y en a un là-bas. On le voit. Je vais reculer pour viser, il est là-bas. Quelle heure? Non, ouais, en général ça tombe entre. Enfin, avant ça tombait entre 10h30 13h quoi. Enfin, 13h30, là ils sont deux. Ah, il y en a un là aussi. Ouais, ça commence pas très bien. Alors, je peux peut-être essayer de pioncer un peu. 2 heures pour faire une liste. Ah, ils sont en colère. Est-ce que je peux dormir 1 heure? Non, ça veut pas. Ah, ils sont en train de défoncer la baraque. Ah, il y a toujours cette espèce de bug là qui revient. S'ils sont dans la maison, je risque d'être bloqué après pour sortir. En espérant qu'ils ressortent. J'ai combien de balles de pompe? Ouais, j'ai tout mis dedans. Ouais, j'en ai que 5. Ouais, tu veux pas me faire dormir une petite heure? Ok. On a réussi. Alors là. Ouais, ils ont tout pété, vous voyez. Maintenant, faut réparer. Donc, la zone, elle est plus très sûre. Je vais quand même me laisser ça là et sauvegarder. Voilà. Donc, cette voiture, on peut pas la fouiller, hein. Par contre, on peut la casser pour récupérer du scrap métal. On va essayer de faire un petit peu le tour. Donc, on était descendu là-bas. Bah, au pire, on va retourner au garage pour le vider. Ouais, je prends la plume. D'ailleurs, on va essayer de trouver un chemin tout de suite pour essayer de remonter. Comme ça, je serai pas coincé après. Là, ça va pas être possible. Je
sais pas si ça c'est le camp que j'avais fait. Voilà, donc on va aller voir là d'abord. Je crois que j'allais tomber, me faire très mal. No gambling caution, ok. Je sais pas du tout où ça mène. Je sais pas s'il y a une route au-dessus. Alors les plumes, on en a besoin pour les flèches. On va aller voir le bord de la route après. Ce serait pas le camp que j'ai fait tout à l'heure? Je sais pas du tout. Non, je crois pas. Non, il y a plein de... On a chopé une bouteille. Non, c'en est un autre. Ah bah voilà, regardez, on a bien fait de monter. Petit backpack, donc j'ai deux slots en plus maintenant. Ça c'est cool. Donc effectivement celui-là je l'ai pas fait. Donc ouais, ça fait plus de place. L'objectif premier aussi c'est de trouver un maximum de sacs là. Pour agrandir l'espace. Ça va être important. Ok, là il n'y a rien. Il y a du scrap métal. Ouais, je l'ai bien pris. Ouais, histoire de se fabriquer des couteaux ou autre. Ça me servira que quand j'aurai le distilleur. Bon, bah, je crois que c'est bon, on a fait le tour. Alors, ça, je vais le prendre. J'ai peut-être probablement oublié des choses, hein, mais comme là. Qu'est-ce qu'il y aurait là? Ah, il y a une corde. Ok, on a réussi à la choper. Est-ce que la hache, je peux la prendre? Ouais. Ça, c'est cool. Ça m'en fait une note de secours. Alors. Ouais, là, 100%. Alors, je vais déjà finir la mienne. Je crois que là, c'est bon. Là-bas, il y a un bâtiment. On va aller voir ce que c'est. Faudrait pas que je tombe sur des bandits. Ah, ça a l'air d'être bien nouveau. Je me demande si c'était pas l'ancienne route où on avait chopé le pick-up. Ah, il y a le motel. Ah, c'est nouveau la station-service là. Alors. Ou alors c'est le motel. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont changé quoi. Ah, ouais, quand je loot, ça fait passer le temps. Là, il n'y a rien. Là, il y a une bougie, je vais la prendre. Puis, j'essaierai de remonter la voiture qui est près de chez moi, là. Là, il y a une maison aussi. On va aller voir la station-service. On va faire un tour au motel. Car là il y a un bandage. Je crois qu'on peut pas les appliquer directement. Faut que je vais le laisser là. Ah si je crois. Je sais plus. On verra bien. Si c'est l'ancienne route du motel, il y a une petite baraque. Un petit 2-3 bâtiments plus bas. Ok, il faudrait que je trouve un jerrycan. Il y a pas mal d'essence à siphonner. Car là il y a une batterie. On reste combien? Deux emplacements. Voilà, je pense que le plus dur, ça va être de trouver des pneus. Pire des cas, ouais, je vais essayer de réparer une caisse d'entrée de jeu. Ah, nouvelle arme. La batte de baseball. Hein. Par là, je peux pas rentrer. Ah. Et qu'il y a une paire de bottes. Qui était à l'intérieur. Moi, je vais mettre la petite paire de bottes. Il n'y a pas d'autres trucs à fouiller à l'intérieur là, en longeant le mur, non? Là, ok, il y en a un d'ouvert, mais il n'y a rien. Ah.
Alors, je peux peut-être monter au-dessus pour voir. Alors, si tu veux bien monter, s'il te plaît. Bon, il y a juste une pierre, mais bon. Ah, ok, on va se rendre à l'intérieur maintenant. Qu'il y a des trucs par terre là. On va rentrer par là. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié la batte de baseball. Non, je l'ai. Alors, est-ce que je peux l'équiper ici? Non. Et là? Non, non plus. Ah, est-ce que j'ai faim? Un petit peu. Je mange une conserve de sauce tomate. Ok, je peux pas passer par-dessus les sacs. Alors difficilement. Alors qu'est-ce qu'on va avoir là? Ok, du scotch. Des piles. Alors les piles, c'est nouveau. Ouais, il n'y avait pas de pile avant. On va tout bien zioter. Il n'y avait rien là. Non. Ah, c'est des, on dirait une ration militaire. Ok, ça, je peux pas non plus. Bah écoutez, voilà. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des trucs dehors? Là. Non. Là, il y a un petit coca, mais je vais pas pouvoir le prendre. Je sais pas ce que c'est, les taches, là. Ah, il y a un petit problème graphique, là. Ça fait des taches quand on s'approche à... Ça s'agrandit, là, il y a rien. Mais alors là... On dirait qu'il y a un problème de résolution. Ok, là il y a un autre soda. Ah bah écoutez, hein, je viendrai finir de fouiller là plus tard. C'est dommage qu'il n'y ait pas de sac. Ça, je peux pas la prendre. Alors là, dans le garage, il y a un autre pneu. Ok, alors là il y a le. On peut fabriquer des petits items. Là je peux me faire du cuir. Là je peux fabriquer des clous. On peut faire des bouteilles d'eau et tout. Je peux me faire un jerrycan, mais pour le moment je vais essayer d'en trouver un. Là il y a les arcs. Les flèches. Hein, ça c'était sympa. J'essaierai de refaire le glitch pour voir si c'est possible ou non de. En profiter, ah ouais, donc là, voilà le bouclier pour se protéger. Après, c'est des loupiottes. Ok, alors je peux peut-être fouiller les. Ok, alors ça, je peux pas le prendre. On a combien de 17? Ah, là, il y a un seau. Ah, il y a pas mal d'alu maintenant. Il y a quasiment que ça. Donc, sachant que le dernier, on peut toujours pas le fouiller. Hein. Là, il y a une scie. Et là, il n'y a rien. Ah, là, il y a un rouage. Ah, c'est le truc bien chiant à avoir. Alors, ce que je vais faire au pire, c'est que... Pour le moment, au garage, je vais déposer tout ce qui est... pour réparer la voiture, là. Ça, j'ai déjà deux roues, une batterie et une bougie. Il me manquera que... Ouais, le seau, j'en aurais besoin. Je vais stocker toutes les allumettes ici, là. Voilà, on va faire ça comme ça. Pour allumer un feu, c'est... Pour cuisiner, ça va être nécessaire. Ok, alors je vais mettre ça là.
Hop là, si. Je vais la prendre. Et la mettre avec. Parce que pour le moment, j'en ai pas besoin. Enfin, le seau aussi, en fait. Hein. Je vais surtout prendre un set d'allumettes là. Du tissu. Hop. Ah, même là, ça le fait. Hein. C'est caca leur jeu d'ombre. Alors, est-ce que là, on peut jouer avec le clavier? Non. Ah, ok, bah écoutez, on va aller finir notre petite visite sur l'hôtel. Et puis après, on se quittera là et on continuera la découverte ultérieurement. Ah, ouais, c'est pas le même hôtel qu'avant, parce qu'avant, il était tout le long là. Et après, il y avait un bâtiment là, comme ça. Ah, va falloir se méfier, il y a peut-être des infectés qui traînent à l'intérieur des chambres. Tiens, là déjà il n'y a rien. Voilà, je vais commencer par celle-ci. Tiens, là il n'y a personne. La petite table, là, je peux pas la fouiller. Ça c'est vide. Ouais. Je vais laisser mes trois pauvres branches. Ah là, il y a re des piles et Ok, faudra que je revienne. Ok, là il y a à manger aussi. Il parle de piles là. Car là il y a des munitions. Ah, je vais déposer mes deux sticks ici. Je vais plutôt prendre ça. Il n'y aurait pas une arme posée dessus là alors? Non. Ah, ok. Chambre suivante. Là, c'est complètement vide. Alors, pour le moment, on n'entend personne. Peut-être qu'en montant, en montant en haut, on aura moins de chance. Ah, c'est vide de chez vide. Ah, on les entend. Ah, celui d'en dessous, merci, le dernier. Ah, bon, ça va être pareil. Je peux plus prendre le tissu, rien. Je sais pas si je peux. Ouais, je peux y aller directement. Alors, je vais manger ça. Ok, ça c'est fait. Ça, je peux pas le prendre. Ah, ils m'ont reniflé. Non, ça, ah, pied de biche. Je vais prendre le pied de biche pour le moment. Ah, quoi que, peut-être que je garde aussi. Ah, je vais lâcher les bouteilles plutôt. Parce que pour le moment, j'en ai pas forcément besoin. Une cigarette? C'est nouveau ça. Ah, je vois pas à quoi ah, elle va me servir. Ok, il faudra que, de toute façon que je repasse. Là, il y a une hache.
Ouais. Est-ce que je peux atteindre? Ça, je vais le prendre. Alors ça, je peux toujours pas le prendre, l'antibiotique. Ah ouais, faudrait que je repasse. Est-ce qu'il y a un truc dans les poubelles? Non. Ah, il y a d'autres chambres là. On peut pas passer. Là, il y a encore une planche. C'est du charbon. Je sais pas pourquoi il y a du charbon là. Il y a des planches encore. Ok. Moi, je suppose que. Ah, c'est vrai que je les fasse. Hein. Pire, je les ferai en off, mais elles ont toutes l'air vides. C'est toutes celles au bout qu'on. Ouais, même celle-là, vous voyez, il n'y a rien. Alors, on va aller voir de ce côté, et puis on retournera de l'autre après. Je fais quand même gaffe en. En m'avançant, ouais, je vais pouvoir transporter une valise. Alors, je vais mettre ça là. Ma hache. Hop. Je vais mettre ma corde, mes plumes. Ah bah, je peux même mettre mes tissus. Je vais mettre ça là comme ça. Hop. Alors. Je vais déjà la sortir. Voilà. Ça c'est fait. Ok, là il n'y a plus rien. Hop. Ça. Vas-y, lâche-la. Voilà. Ah, il est immense l'hôtel. Par contre, il y a plus grand-chose. Et là, il n'y a rien. Alors, la petite loupiote, je l'ai rebindée. J'ai mis G. C'est beaucoup plus près. Je crois qu'à la base, c'est L, un truc comme ça. Et appuyer sur une touche à l'autre bout, c'est pas trop mon truc. Ah non, il n'y a rien. Là, je peux toujours pas passer. Hop. Voilà. Ils se foutent de moi ou quoi? Alors, pas d'effet. Alors, ouais, je sais qu'avant on pouvait glitcher le mur. Enfin, les murs et tirer des flèches à travers. Mais là, si je m'y colle, ils vont mettre une tatane. Ah bah là on a tout fait. Alors je vais chercher ma valise. Si tu pouvais rester avec moi, ce serait bien. Voilà. Alors, je vais me la poser ici. Ouais, j'ai soif. J'ai soif, j'ai soif. Mais j'ai pas faim. Faut que je trouve un. J'irai me boire un soda de l'autre côté. Ah, pareil, là il y aura une cigarette. Tout ça, je peux pas le prendre. Ah, est-ce que j'ai mis que des items qui étaient full là? Ouais. À part les cordes. Ok. Ah.
Ça, elle était sympa, mais je crois qu'on peut pas la, ouais, on peut pas la fouiller. Ça, c'était fait. On va passer là. Ils sont là, hein. Alors, vu que j'ai pas le pistolet, pour le moment, je vais. Ah, je me suis coincé. Ah, c'est bon. Je vais éteindre ça déjà. Ah, les allumettes, ouais, je peux les prendre. Il faut bien te relever et les ramasser. Ok, je peux rien fouiller d'autre. Ah, c'est du Bose. Ah, j'ai des bouteilles en bas. Au pire, je vais déposer ça là. Je vais prendre le Bose. Comme ça, si jamais je. Ah, là, il y a aussi des antibios. Des antibios et du sucre. Alors, le sucre, ça sert à faire de l'alcool. Ah, il va falloir que je repasse. Ok, là, il y a une chambre. On va la fouiller. Il y a une autre paire de bottes, mais j'en ai pas besoin. Le scotch, je pouvais pas le prendre. Ça, je peux par contre. Ah, là, il y a un cola. Je vais déposer mes allumettes. Je vais le boire. Voilà, parfait. Ok, donc là, il n'y a rien. Là, je peux pas le prendre. Là, pareil. Ok, là, il n'y a rien. Ouais. Bon, va falloir que je repasse, hein. Je vais aller déposer les trucs dans. Dans ma mini demeure là et Ok, une scie dans un hôtel, faudra m'expliquer le pourquoi. J'aurais préféré une arme. On est d'accord que c'est vide. Hop là, et celle-là. Elle est vide aussi. Bah écoutez, voilà, c'est fait. Premier petit aperçu, je crois que ça va être un peu long, hein. Je vais essayer de résumer l'épisode, mais bon. J'ai oublié ma valise. Moi, je vais retourner au camp. Je vais déposer mes affaires. Je vais sûrement faire des petits allers-retours pour finir de vider ce qu'il y a. Et puis, bon, on essaiera de se monter une petite voiture là pour aller visiter la map un peu plus vite. Et au pire des cas, si je trouve pas de. Ah, c'est relou là, si elle se lâche tout le temps. Si je trouve pas de jerrycan, on s'en craftera un pour siphonner des voitures. Donc voilà, moi je crois que je suis par là-bas. Donc si cette petite vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour savoir si vous allez reprendre, si vous jouez à ce jeu et pourquoi pas vous laisser tenter. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez quelques conseils aussi, parce que vous débutez le jeu, bah, je vous invite à aller voir le premier let's play que j'ai fait sur le jeu ou à me poser vos questions dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.